commencer le combat contre le cœur sombre, le nouveau scénario dans lequel on doit récupérer la scutula d'or en mode difficile. Souvenez-vous, pour y arriver, il faut tout simplement réussir à... Alors attendez, si j'arrive à trouver le truc, c'est tout en bas. On doit tout simplement, Impa, Lana, Midona et Faye doivent s'échapper après la disparition des Link Noirs. Donc voilà. Donc on va tenter de défoncer les lignes noires. Tac. Non. Et merci. Ça va pas être de la tarte. Je confirme. Par contre, Darunia participe un petit peu quand même. Voilà. Voilà avec Midona. Tac. Ah oui, et on doit... Attendez. Ok, donc là, il faut que je m'en souvienne d'un truc. Roi démon Ganondorf. Il apparaît en bas à droite. Ok. Viens ici toi, qu'est-ce que tu fais? Merci. Oh là là, on fait zéro dégâts quoi. Faut deux se replient vers l'intérieur du palais, c'est ça qu'il faut. Allez go, ce côté. On va vite aider Darunia en même temps parce que là, ça va poser souci sinon. Fuite! Nope! Non, non et non. Oh, il y a deux lignes noires. Darunia, tu ne serviras à rien ici. Va de l'autre côté, s'il te plaît. Appuyons-nous sur la roseraie ouest. Ouais, allez, partez. Partez. Se réfugie. Ok. Sur la roseraie ouest. Encore son armée. Ok. Donc là, on va se retrouver dans la merde. Si... On va se retrouver dans la merde. Un soldat d'exhortation, il faut vite l'éliminer, le soldat d'exhortation par contre. Soldat d'exhortation, il est là, vite. En priorité, c'est lui. Risque de chute, ouais, bah, j'ai pas le choix. Hein. Là, les amis, je dois me concentrer. Hop. Là, j'ai pas le choix. Hop. Ok, mettre fin au ravage des lignes noires. Ça, c'est fait. Maintenant, ils doivent s'échapper. Niveau supérieur, niveau 43. On fera un poil plus mal, mais c'est un poil, hein. Ah, il se ressuscite. Ouais, c'est vrai qu'il se ressuscite, ce bougre. Faut battre le vrai. Urgence. Oh putain, oh, urgence. Urgence. Ok. Là, on va se retrouver dans une grosse merde. Ah oui, effectivement, il y a du pipeau ici, non? Voilà. Sur. Les trois, allez, si possible, tout défoncer en même temps. Voilà. Et c'est ce que je voulais. Hop. Merci. Vite! Soldat d'exhortation, t'es où? Attention. Vite, éliminé. Et comme ça, on enraye directement les... Oh, danger. Attention. Aïe, aïe, aïe.
C'est pas gentil ça, putain. Oh là là. Non. C'est bon. Ouais, d'accord. Waouh, on fait des dégâts, c'est abusé. Abusé, comme on fait pas mal du tout avec lui. Niveau 32 en même temps, ses armes de merde. Ok, on a fait, on a échoué le soldat d'exhortation. Allez, go. Maintenant, on va vite enrayer l'épidémie. Oh, oh, en difficulté. Eh oui. Donc, bah oui, mais c'est Darunia, donc ça va, on s'en bat les couilles pour le moment. Lana est en difficulté. Vite, par contre, Lana. Hein, attends. On sauvegarde. Il faut pas que Lana perde, hein, donc on est obligé de battre ce Link noir le plus rapidement possible. Ah, d'accord, auto est en difficulté. Ok, donc là, pas le choix. Ordre, s'il te plaît. Yaki, Ruto, vite, viens ici, toi. Parce que là, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde, trop de monde. Darunia, Darunia, dépêche-toi. Bouge ton cul. Putain, mais il fait pas le tout le tour, là. Bah, si, si, il fait ce tour-là. C'est le chemin le plus court. Allez. Allez, 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 bouge ton cul. J'aime pas ce qui se passe. Hein. Honnêtement. Je suis quelqu'un qui est très pessimiste d'un coup. Je suis quelqu'un qui a vraiment... a très peur. Voilà, là j'ai honnêtement... une frousse de pas y arriver. Et allez, s'il te plaît, finis-le quoi. J'en peux plus. Hop. 1, 2, 3. Allez, s'il te plaît. Bon, là, pas le choix. Il faut vraiment faire du ménage ici. On va devoir faire vraiment du gros ménage de printemps. Voilà, je suis désolé, mais là, il y a besoin de que Ruto vive. Parce que là, elle est en train de... Elle meurt, là. Elle ne respire plus. Oh, c'est pas gentil, ça. Eh, c'est pas gentil. Allez, go. Je m'étonne. Regardez l'XP qui... avec Darunia. Abusé. Aïe aïe, putain. Oh, niveau 43, tu m'étonnes. Allez, go. On va tenter de défoncer tout le monde. Là, les gros à la con, là, les gros moblines. Allez, putain. Il veut pas mourir, hein. T'es chiant. C'est bon, là, t'es mort. Allez, cassez-vous. Cassez-vous, maintenant. Eh ouais, t'es en difficulté, je sais, je sais. Darunia, s'il te plaît. Va aider ton confrère, s'il te plaît. C'est bon, là, t'es mort, mon gars. Eh, merci, on a vaincu l'ennemi. On a vaincu l'ennemi. Oh putain de merde, j'avais oublié ça. Ok. Oh, oh non, ça va cutscene. Cutscene, cutscene. Bon. Maintenant, normalement, là, les lignes noires s'échappent. Enfin, ils disparaissent. On les a repoussés. Maintenant, il faut faire en sorte que les... que... ben, les méchants... que les gentils partent le plus loin possible. Wouah, c'est pas évident. Minou, non, non, tu commences pas. Sinon, je te... Oh là là. Sinon, je te fais sortir. Hein, parce que là, t'es chiante. Oh, surtout pas maintenant. Dans l'ère du fléau, je dis pas, mais là, dans Definitive Edition, avec un mode difficile et ce que tu l'adores. Ma pauvre petite, s'il te plaît, quoi. Épargne-moi. Oh putain, j'arrive. Désolé les amis d'avoir coupé en plein cinématique. Mais quand elle est chiante comme ça. En fait madame c'est. Elle veut aller faire ses putains de besoins dans le cellier. Elle a été trop habituée ça. Hein, je lui ai déjà raconté cette anecdote. À la con là. Je vous jure. Il faut faire en sorte de, je crois, de repousser machin bidule chouette là.
Donc il faut repousser Ganondorf qui va venir. Oh oh. Oh non, pas toi, pas ça. Pas maintenant. Ils ont invoqué des trucs à la con. Ok. Oh, des gibes d'eau. Oh putain, non, s'il vous plaît. Mais vraiment, s'il vous plaît, s'il y a quelques champs de bataille. Oh là là, s'il vous plaît. Non. Bah oui, ils sont censés partir sur la roseraie ouest. Mais non, c'est pas ouest, si c'est ouest et à gauche, donc du coup, tu m'étonnes. Ok. Mal de l'armée d'Hyrule a augmenté. Déployer sa véritable puissance. Allez, partez s'il vous plaît. C'est bon, il commence à partir. Laisser un seul membre du groupe Ruto. Ne pas laisser un seul membre du groupe Ruto fuir. Ouais. Il n'y a pas de souci. Cassez-vous, cassez-vous. Non mais Hyrule bat en retraite. C'est parfait. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Vous ne m'échapperez pas. Donc il faut faire en sorte qu'il s'échappe. Hein. Je vous le dis. Pour la sculpture l'adore. Peter Elite a été rejoint les chars de bataille. Ta mère la chienne, pas l'invocateur élite. On va y aller. On va y aller. Il faut une personne en bas qui repousse Ganondorf. Qui va, voilà, qui arrive, hein, évidemment. Voilà. Bon, par contre, toi, mon gars. Je suis désolé, mais là, calme-toi. Calme-toi, j'ai dit. On rentre à la maison. On reste à la maison. Ici. Voilà, c'est bon. Affronte-toi. Affronte-toi tout seul. Maintenant, tu... Tu laisses... C'est bon, ils s'affrontent. Ouais, c'est bon, ils s'affrontent. C'est... Tout va se jouer ici, donc je sauvegarde. Tout va se jouer ici. Vite, vite, vite. On va vite affronter l'évocateur élite. Qui va poser des possibles soucis. Oh, mais putain, mais il y a du monde là, non? Maidana s'est téléporté à la roseraie ouest. Elle, c'est fait. L'évocateur élite. Allez. Il n'y a que 2000 ennemis. Oh, on est bientôt niveau 44. Voilà, là, j'ai pas les bombes, mais j'ai vraiment pas envie de les sortir maintenant. Hop. Niveau 44, les amis. Comme ça, ils vont tous pouvoir aller à la roseraie ouest. Et une fois qu'ils ont fui, les amis, la scutula est à moi. Allez, calmez-vous. Ok. Merci, bon ça va. Par contre, il manque plus que fée. Arrête d'affronter les ennemis, s'il te plaît. Et vas-y, fonce. Arrête d'affronter les ennemis, mais c'est pas possible. Oh, j'ai juré, je commence à saturer là. Mais fuis! Eh oh! Non, mais tu vas pas battre tous les ennemis du monde quand même. Elle va. Il faut vraiment que je nique tous les ennemis là? Allez, vite, 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 vite! C'est bon, Isa, c'est bon. Impa. Fuis, et là il va y avoir la retraite. Et là, fille pareil. Et du coup, là, la scutula va apparaître. Je sais pas où. J'ai peur qu'elle apparaisse au nord. Et que je n'ai pas le temps. Je vais sauvegarder vu que maintenant tout le monde. C'est bon. Là, normalement, la scutula va apparaître. Donc, où, j'en ai aucune idée, mais elle va apparaître. Donc. Daronia doit atteindre. Oui, mais on s'en fout. Là.
d'Arunia. Ok. Darunia doit obligatoirement s'enfuir, mais le problème c'est que je fais suivre Darunia là, ça va poser souci. Donc je fais quoi? Putain. J'ai pas le choix, Darunia. C'est qui là qui est là? Ah mais Ruto, elle doit fuir, non? Je crois que Ruto doit fuir aussi. Mais pourquoi elle n'a pas fui cette connasse? Enfin elle doit partir? Ah non, Impa c'est fait, Midona c'est presque fait, Lana c'est fait, Fear c'est fait. Donc normalement il manque plus que Midona et du coup Darunia à faire diriger en bas à gauche. Donc on va lui ordonner un ordre d'aller à la roseraie ouest et fuir. Voilà. Allez, casse-toi, oh là là. Putain, c'est vraiment un sac quoi. Gros sac quoi. Voilà. Et on continue. On reste avec moi. Comment tu restes avec moi? Parfait. Roseraie Est. Normalement la scutula va apparaître. Ok, donc je sauvegarde à partir de maintenant parce que la scutula va apparaître n'importe où. Oh non, elle apparaît pile ici. Non, je vous jure que j'ai... Je le savais pas. Vous avez vécu une scutula d'or, vous avez obtenu un morceau d'illustration. Oh bon ben, ok. Bon ben, scutula obtenu. Donc maintenant je peux éliminer le maximum de... Enfin, je peux éliminer toute la carte. Voilà. Chef de poste. Merci. Oh, on va éliminer toute la carte, hein, en fait. Comme ça, au moins, on est tranquille. On assure une... Ah là là, ça permet de respirer. Ça a été, en tout cas, une bataille, mine de rien, compliquée. Mais en fait, ouais, au début, c'est vraiment... pas adapté de notre niveau, on le voit hein. Il faut vraiment bien monter le personnage quoi. On a une arme à 225, presque 250 qu'il nous faut, mais les niveaux il faut être au moins 70 quoi les amis. C'est pour y arriver de base, faut pas être un petit niveau quoi. Bon, déjà ça c'est de fait, maintenant il ne manque plus qu'à battre les trois chefs de poste en haut et ça sera bon. Alors, le petit chef de poste. Merci. Ok. L'autre chef de poste. Comme ça, on élimine Ganondorf après. Et ça sera bon. Voilà, l'autre chef de poste et après il manquera plus Ganondorf et ça sera bon. En tout cas, ça a été compliqué. Hein. Merci. Ça a été compliqué mais bon, parfait pour terminer la semaine. Oh, pas besoin, merci. De rien. Coucou toi, t'as rien de caché dedans. Voilà, petit coffre avec des rubis. Parfait, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Là, il y a un petit coffre potentiellement avec des rubis. Non, une arme, ok. Et ben maintenant, il ne manque plus que Nondorf à battre. Hein. Les amis, c'est parti. Tac, 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 tac. Boum. Hop, tac. Hop. Allez, calme-toi.
Et on se recalme. Voilà. J'aime bien quand tout se passe comme ça. Tac. Merci. T'as de la chance. Mais t'es con? Bah oui. Bah oui, là tu t'es mis dans la sauce tout seul. Bah oui, bah là mon gars, t'es mort. Hein. Et voilà. You die. Ah mais c'est pas fini? C'est pas fini? Ah si! On avait fini, non mais dis donc. Bon, ben voilà. Le petit scénario tranquille de fini. Ben non, ça va pas être de la tarte quand on va le refaire à mode héroïque, hein. Ah oui, les amis, on l'oublie pas ce mode héroïque. On l'oublie pas, hein, sachant que. On aura sûrement fait une session du mode aventure, donc ça va un peu nous alléger la conscience, mais. Pas de ouf, quoi. Un peu. Un peu, un tout petit peu. Aïe aïe aïe, je vous jure. Bon, en plus avec le costume de Breath of the Wild. Écoutez, Zelda, elle est canon. Elle est canon, cette fille. Cette femme, elle est magnifique. Elle est resplendissante. Elle est ravissante. On a envie de la croquer. Bon. 24 000 rubis. Oui, donnez-moi plus. Donnez toujours des rubis. Bon. Rapier 7595 de dégâts, Tech-Fort 2, Tech-Fort 3, Tech-Fort 4. Arbalète, entraînement 165 de dégâts, Tech-Fort 5, élément feu, matériau rare plus. Rapier 7 de nouveau, 195 de dégâts, Tech-Fort 3, Tech-Fort 4, Tech-Fort 5, mais c'est la même. Deux démons, 112 de dégâts, élément ténèbres. Epona, 112 de dégâts, élément ténèbres. Élément lumière, pardon. Et miroir obscur, 80 de dégâts, élément ténèbres. Pour une écharpe de Link, deux boucliers de Moblane blindé, un gantelet de Ganondorf, trois bottes de Link, six casques de Moblane blindé, de Moblane blindé. Et six bandettes de Jupe de Warden pour une noix mojo et deux champignons suspects. Et le petit morceau d'illustration. J'aimerais bien débloquer une partie de gauche quand même. Hein, parce que y a un gros trou. Bon, en tout cas, on a débloqué la bouche du banni et le pilier du banni en même temps. En fait. Ouais, en fait, le derrière, ça ressemble vraiment à la gorge de l'anel. J'ai l'impression. Donc, ça sent vraiment le boss rush de la gorge de l'anel. Sûrement. Je sais pas. Ok, ok, nous l'avons réussi. Bon, oh, j'en peux plus, je suis fatigué. Heureusement que j'arrête d'enregistrer ce jeu pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Rien du tout. Ah si, on peut faire quelque chose avec Link. Link enfant. Bot Desert 2 augmente le temps de libération du pouvoir magique. Cela requiert un quantité de Ganondorf sur une acide de Goma sur 43 et 3 crocs de Dinalphos sur 4999 et 1000 rubis. Bot Desert 2 va être créé. Voulez-vous continuer? Oui. Le badge Bot Desert 2 a été créé. Tant mieux. C'est bon, on peut rien faire après. Hein. Bah, c'est vraiment la grosse merde. Bon, bah écoutez. On aura bien avancé, on aura récupéré cette Sculptulador. Donc normalement c'est notre 12e, je crois, Sculptulador, ce qui est les 32 du scénario. Plus que 20. Plus que 20. Les amis, mine de rien, ça va vite aller. Hein, ça va vite aller. La prochaine fois, il faudra utiliser Lana hein, pour son Dragon Mojo. Bon, Lana qui est quand même niveau 55. Ça peut potentiellement bien se passer. Voilà, ça peut potentiellement bien se passer. Tout dépend de la condition. Alors, j'ai mon petit truc devant moi. Hein, je peux vous dire demain qu'est-ce que on va avoir. Sachant que pour demain, vous allez avoir du coup de nouveau le planning écrit. Et non, pas le planning visuel, c'est trop d'occupation. C'est vraiment occasionnel. Mais vous allez voir le planning écrit. Donc, ça veut dire que tous les jours à midi, vous allez avoir de l'air du fléau. Tous les jours à 20h30, vous allez avoir du Definitive Edition. Et à 18h, vous allez avoir un let's play quelconque, 3D World ou quoi. Et sauf le dimanche, vous allez avoir 4 vidéos. Donc, à 18h, let's play quelconque. Et The Legend of Zelda Breath of the Wild en 16h. Voilà, vous êtes au courant. Et donc, du coup, la prochaine fois, alors sur ma tablette, il faut tout simplement. Éliminer Volga deux fois ou plus par précaution. Alors, ok, ouvrez les portes de la base ennemie sans qu'aucun de vos alliés ne fuit. Ok.
Donc on doit battre Volga deux fois et ouvrir les portes de la base ennemie. Ok, ouvrir les portes de la base ennemie. Ok. Bon, normalement, on devrait bien s'en sortir. Hein. Normalement, je dis bien. Et pas à l'abri de quelque chose, mais normalement, on devrait bien s'en sortir. Voilà, c'est déjà une bonne nouvelle. Et puis après, bah, écoutez, les amis, après, il manquera plus que les petits trucs avec Ganondorf et les deux petits scénarios ici pour avoir fini avec le mode héros. Et oui, en termes de ce que tu l'adores. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte d'un truc. Attendez, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 normalement. Donc ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça veut dire que les pièces d'illustration qu'on va obtenir, ça sera pour l'illustration des, à mon avis, du boss rush. Et du coup, bah, le reste, ça sera du coup, j'imagine, des sculptulador, enfin de l'illustration de Sia. Sûrement. Sûrement. Ouais, il n'y a pas. Voilà, parce que 1, 2, 3, et 4 et 5. Mais le truc, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y en a 5 au total. Alors, peut-être il y en aura dans le truc. Comment ça s'appelle ? Peut-être il y en aura dans le. Je perds mes mots, c'est abusé. Peut-être il y en aura dans la carte Master Quest, mais. Pour compléter l'illustration, mais ouais, parce que du coup, même là, ça va pas. Avec Linkle, ça va peut-être pas la compléter de ouf. Et Wind Waker encore pire parce que on a que 4 illustrations dans le truc et ça sera 4 illustrations supplémentaires donc 8, il nous manquera 12. Ouais, je peux pas vous dire. Mais bon, en tout cas on n'y est pas encore là. Je sais même pas si est-ce que avant la fin de la session est-ce qu'on y sera. C'est une bonne question d'ailleurs. Bon, ça m'arrange, alors, sauf ça, sauf Tetra, ça, parce que ça peut être très problématique, mais sinon ça m'arrange déjà les trois d'ici, vu que c'est du Link, donc haut niveau, Lana haut niveau, Link du haut niveau, bon, ça j'ai peur, ça c'est du Zelda, donc ça va, Ganondorf, bon ça c'est normal, donc voilà, ça c'est du Lana, donc au niveau, normalement ça devrait aller, ensuite, ici, bon, si y a ça, ça devrait aller. Ça devrait aller. En termes de ce que tu l'adores avec Linkle, donc évidemment toujours Linkle de partout. Hein. Et du coup ici, là, c'est une mention spéciale à Tetra. J'ai très très peur hein, pour celui-là. Je vous le dis, je vous l'avoue. Hein. On a beaucoup galéré pour le mode normal. J'ai très peur. Alors, je crois qu'il y a moyen de sélectionner 4 personnages. Donc, même si on sélectionnera lui, on pourra peut-être contrôler Link. Mais j'ai une grosse frayeur. Hein. Je vous mens pas, mais j'ai une grosse frayeur. Mais bon, écoutez, ça sera, il n'y aura pas trop le choix. Hein. Il n'y aura pas trop le choix pour en finir avec ce mode difficile. Et du coup, bah, les amis, pour terminer la semaine, merci de m'avoir suivi pour cet épisode 357 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. Demain, du coup, l'épisode 358 dans lequel nous allons nous attaquer à une des gorges de l'Anel, encore une fois, avec au niveau des Scutulador. Aussi demain l'arrivée d'un tout nouveau let's play, allez voir dans les descriptions, mais si vous voulez je peux vous le spoil ici, c'est Asterix XXL Collection, donc le tout premier jeu. Alors là j'ai vraiment décidé, vu que c'est un jeu carrément, en fait c'est un jeu qui divise qui met les trois Asterix XXL Collection mais sur des cartes trucs différentes, sur des en fait c'est une cartouche mais sur le mon menu ça se divise en trois jeux. Donc je pense que vu que j'ai déjà fait le stade XXL Collection, ça va garder l'aspect XXL Collection. Je vais juste m'adapter comme à la 3D All Stars, vous voyez, en mettant le chiffre correspondant au bon, au truc principal, et puis après le petit chiffre qui permet de se consacrer au truc du let's play par exemple. Donc imaginez épisode 24 de Asterix XXL Collection et épisode 12 d'Asterix XXL 2 par exemple, imaginez.
Et donc du coup voilà. Et du coup ben l'arrivée d'un nouveau let's play. Et dites-vous que la semaine d'après c'est l'arrivée d'un autre nouveau let's play les amis. Et oui hein, je pense que vous vous en doutez, je vais vous même vous le dire, c'est Oddworld Collection. Et oui du coup Oddworld Collection on Barban Game gagne hein, c'est la même chose que on va faire pour Astérix hein, XXL Collection et 3D All Stars et tout hein. Sachant pour 3D All Stars, alors je n'ai pas vu de la direct encore que Nintendo a annoncé aujourd'hui déjà. Il a annoncé la Nintendo Direct de l'E3. Mais dites-vous que, vu que je vous tourne ça, il est la nuit du 2 au 3 juin. Mais dites-vous que il y a de fortes probabilités que... Je sais pas s'ils mettront le DLC ou une mise à jour pour ajouter Galaxy 2, je n'en sais rien. Mais dites-vous que même si Galaxy 2 n'est pas sur 3D All-Stars, je vous le referai quand même. Et il fera partie du Let's Play 3D All-Stars. Pour moi, ça se doit se terminer comme ça. Ce jeu mérite une place, mérite la place dans 3D All-Stars. Donc du coup, je m'en fous, ça sera très putaclic parce que du coup le nom ça sera pas 3D All-Stars, mais je m'en fous quand même. Mais du coup, ça sera quand même du 3D All-Stars. Voilà, ça sera. Et en plus, ça me permettra de refaire le jeu encore une fois. Donc voilà, dites-vous qu'on est déjà à Sunshine, donc on a déjà récupéré, je crois, une dizaine de Shine déjà, c'est déjà bien, sur les 120. Et on avance, hein, mine de rien, petit à petit. Et on doit faire évidemment Galaxy 1 plus en prime, on doit faire la Galaxy 2 derrière et tout. Donc vraiment, je suis fort content. Et j'espère que du coup, le 3D All Stars va se poursuivre bien de bien et manière. D'ici là les amis, je sais que ça fait 32 minutes, moi je m'arrête là, j'ai vraiment fait ma part du travail, je vous ai vraiment fourni une semaine d'enculé, même la semaine dernière d'enculé. Évidemment du coup le planning visuel reviendra occasionnellement, alors c'est un truc, comme je dis, occasionnel, donc normalement, hein, mettez quand même des pincettes, normalement c'est censé revenir pour une semaine de la troisième semaine de juillet. Voilà, mais dites-vous que voilà, ça peut ne pas être sûr. En fait, ça dépend de combien de semaines il me reste. Dites-vous que si il me reste 2 semaines minimum, je vous ferai du planning visuel. En revanche, s'il me reste 3-4 semaines, enfin une semaine à faire, je ne peux pas. Là, vraiment, c'était très short pour pouvoir relancer une planning visuelle. Pour moi, c'était pas possible d'en mettre un troisième. Il faut se rendre à l'évidence. En plus, j'ai eu des problèmes de santé entre. Il faut que j'anticipe tout ça. Donc, du coup, les amis, ça sera normalement pour la troisième semaine du mois de juillet. Donc, vous allez avoir du planning écrit, mais dites-vous que... Habituez-vous hein, à ça et dites-vous que le planning visuel sera occasionnel et que du coup quand ça apparaîtra vous serez content hein, vous serez content et puis les amis qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, moi je m'arrête là, je me languis quand même de faire on veut dire du vrai Hyrule Warriors parce que en fait là on fait le jeu d'une manière que la Scutulador nous oblige en fait, mais j'aimerais bien retourner quand même faire le définitif, enfin de faire le mode légende. Heureusement, un mode héroïque, on le fera de la manière comme on l'a fait pour le mode facile et le mode normal. Voilà, je me languis vraiment. Et je me languis évidemment, du coup, de refaire aussi du mode aventure. Ça commence à manquer le mode aventure. Mine de rien, c'est chelou d'ailleurs, parce que pourtant on en revient. Alors là, je suis en train de me demander si est-ce que je vais peut-être pas. Si j'ai un gros manque. Vraiment casser ma routine parce que vraiment là je suis en manque de mode aventure, c'est chelou, j'ai jamais ressenti ça avant, mais j'ai envie du mode aventure, voilà, je peux pas vous dire, donc il est fort probable que le mode aventure arrive au moins pendant 10 épisodes dans le mode 380. Alors, ce sera un truc minime dans le sens, ça sera épisode 380 à 389, hein, parce que 390, il y a le mode défi, hein, que ce sera toujours là. Mais dites-vous que j'ai vraiment envie d'y retourner sur ce mode aventure, donc il se peut que je casse ma routine. Voilà, je préfère vous prévenir. Je sais que pour les gens qui m'auraient dit, ouais, non, mais je te suis uniquement pour le mode légende, ça fait chier. Les amis, voilà, j'ai des envies, peut-être quand on sera dans le mode aventure, j'aurai des envies du mode légende, je casserai la routine aussi. Mais là, vraiment, j'ai envie du mode aventure et ça me fait chier.
ça me fait chier dans le sens, je trouve, ouais, je trouve ça bête, quoi, parce que ça me donne envie, quoi. Ça me donne envie, là. Alors, on verra du coup pour si l'envie passe. Mais dites-vous que si l'envie est pertinente dans l'épisode 370, 380, imminent mode aventure retour, hein, je vous le dis, 380, l'épisode farm. On fera un épisode farm également à l'épisode 389 pour respecter, on va dire, en termes d'équité, enfin en termes de transition, hein, genre vraiment comme ça, au moins on a le maximum de choses. Et puis voilà, et pour lui faire une petite transition tranquille. Et mais dites-vous que ça commence à me trotter et du coup casser la routine, ça se pourrait. Je vais m'abstenir, je vais tenter de m'abstenir. On verra à l'épisode, vers l'épisode 370. Mais dites-vous qu'il y a de fortes probabilités quand même que si l'envie que j'ai actuellement amplifie dans les jours ou semaines qui arrivent, 380 imminent le retour du mode aventure. Vraiment, c'est... Alors, c'est pas parce que le mode légende me fait chier actuellement et tout, non, parce que je prends du plaisir à faire les scutules d'or. Dites-vous qu'il nous en manque plus que 20 en plus, c'est pas beaucoup, quoi. On a bientôt fait la moitié, hein, donc c'est vraiment pas beaucoup, quoi. Bah, quand on aura normalement fait 1, 2, 3... Normalement, quand on aura fait tout de Ganondorf plus de celle-là, donc on sera à la moitié déjà. Mais j'ai vraiment envie de faire aussi un peu du mode aventure, donc c'est pour ça que... Voilà, je pourrais peut-être casser la routine et me lancer dans du mode aventure dans l'épisode 380. Mais j'en dis pas plus parce que ça peut être totalement le contraire et qu'on suive notre trame habituelle. Donc, enfin, notre truc habituel. Donc voilà, au moins vous êtes au courant. Mais dites-vous que 383, on aura déjà fait pas mal de scutulador à mon avis, à mode difficile. Dites-vous qu'on en a fait quand même 1, 2, 3 déjà en 7 épisodes. Mine de rien, donc j'imagine que du coup cet épisode de plus ça fait 364, si on en refait 3 ça fera 6, 364, cet épisode 371 ça fera 9 et cet épisode 378 donc logiquement ça fera 12, les amis, 12 quand même, c'est pas dégueulasse quand même, je pense que vous pouvez bien me comprendre, c'est pas non plus dégueulasse, voilà, c'est honnêtement je trouve que 12 c'est vraiment pas trop mal et puis après on repart du mode aventure, alors certes ça peut vous gaver mais vraiment j'en ai envie, donc voilà, tout dépend de comment je vois ça. Et donc du coup bah les amis, merci de m'avoir suivi sur ce planning visuel, hein, c'était assez fou, hein, ces deux semaines passées à vos côtés, ça a été fou même au niveau des enregistrements, hein, donc voilà, en espérant que du coup vous serez tout aussi vous serez tout aussi dans le truc quand ça réapparaîtra dans le futur. Normalement, 3e semaine de juillet, mais mettez les pincettes quand même. Mais normalement, 3e semaine de juillet, je m'arrangerai, j'essaierai de donner mon maximum. Et sinon, les amis, on se retrouve donc du coup pour l'épisode 358 demain, tout simplement, de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition, dans lequel nous récupérons du coup notre prochaine scutulador en mode difficile dans la gorge, enfin la deuxième gorge de l'anel. D'ici là, les amis, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.